va voir ce qu'il a, mon chéri. Juste au pâte, elle va venir. En plus, c'est une poupette. Elle va soigner mon fils. Il va être tellement beau, mon petit-fils. Ah, on l'aime, Calice. Montre ton henné, montre ton henné. Montre ton henné, Oma. Montre le henné. Non, le henné, le henné. Je te mange. Ah, les filles, moi, je me suis fait un peu avoir. Ils m'ont mis... Enfin, pas vous, parce que vous, du coup, vous me sauvez, c'est ça? C'est ça. Et ils viennent stopper la tarification, l'augmentation de tarif. Mais ils m'avaient mis à 169, c'est ça? 170 euros par mois, alors que la maison, apparemment, elle est très bien isolée et tout. Enfin, voilà, pompe à chaleur et tout. Il n'y avait pas besoin que ce soit tout ça, quoi. Du coup, bah, c'est cool. Du coup, je vais être remboursée ou pas? Alors, oui, parce que forcément, vous n'avez pas consommé. Et puis, dorénavant, vous paierez moins. Ok, bah, super. Bonne nouvelle du jour. Les filles, autant pour moi, c'est NJ, c'est... Enfin, ceux qui se sont déplacés, là, c'est NJ, pas EDF. Parce que j'ai des poupettes qui m'ont dit « EDF, ils se déplacent jamais et tout. » Du coup, c'est... voilà. Les filles, autant pour moi... C'est que je suis EDF, en mensualité, le prélèvement automatique tous les mois, c'est pareil. Ouais. Je vais pas le faire du coup, je pense. Il n'y a pas de souci. Je préfère me retracter, s'il vous plaît. Pas de souci, oui, il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Dans tous les cas, votre contrat, je vous dis, on l'a signé. Je suis désolée, mais en fait, quand vous êtes venu, je pensais que vous étiez mon fournisseur à moi d'électricité. Donc, on se présente bien comme NG Club. Oui, mais justement, moi, je niveau papier, etc., NG EDF, pour moi, c'était la même chose. Donc, je me suis dit, vous êtes mon fournisseur, vous venez juste me bloquer les tarifs. Après, vous êtes présenté en mode, je change de fournisseur, vous voyez. C'est vraiment, en fait, dans ce mode-là, effectivement, qu'on arrive. C'est-à-dire qu'en fait, je suis EDF. Ouais, non, je préfère pas. On sait jamais. Il y a pas de problème, c'est comme... Je préfère mes abonnés, elles m'ont déconseillé ça. Tu veux quoi? Si vous étiez prélevé ou autre. Ouais, chérie, la scène, elle était très gênante. En gros, ils sont venus et tout. Alan, il était avec moi. Après, il est reparti au salon. Et il me dit, ouais... en gros, ils me disent, est-ce qu'on peut s'asseoir à table? Bah, je dis, allez-y, rentrer. Alan, il me dit, pourquoi tu les fais rentrer? En gros, c'est pas normal et tout. Je me suis dit, je sais pas et tout. Il m'envoie ça par un message. En plus, le mec est monté, il sonne comme ça devant lui. Bref. Et après, il s'assoit. Et bref, il me dit juste qu'en gros, il se présente comme mon fournisseur à moi d'énergie. Et en me disant, on va juste bloquer l'augmentation de tarif. Je me suis dit, ah, ils sont trop gentils, ils se déplacent à nous et tout. Ils nous augmentent. Grosse naïve que je suis. À la fin, je lis des messages de poupettes qui me disent, attention, tu vas changer de fournisseur. Du coup, je les regarde, je dis, je vais changer de fournisseur. Ils me disent, oui, c'est bien ça. Je dis, bah pourquoi en gros vous m'avez pas expliqué clairement que j'avais changé de fournisseur, en gros. Et après, ils ont... Bref. Et donc, apparemment, grosse arnaque. Apparemment, toutes mes poupettes, elles m'ont dit qu'ils sous-évaluent les consommations. Et à la fin, t'as une grosse régule où tu payes une blinde. Donc, je préfère rester chez EDF. Merci bien. Au revoir. Calice, il a pris ton sac. Ah, ça m'aurait pas plu. Calice, il a pris ton sac. Tiens ton sac, petite princesse. Je t'aime. Et puis, je vais faire le petit bain des bébés, là. J'allais dire midi, quoi, dans 10 minutes, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Viens! Allez, viens! Viens, petit chat! Peur. T'as pas peur? T'as jamais eu peur? Allez, viens, mon fils, viens. Alors, lui... Pas peur, maman va te sauver. Ah, bon argument et tout. Mais toi, t'es un pourquoi tu les prends, genre, sur les filles, je suis en train de raconter à Alan. Déjà, quand je les ai rentrés à la maison, il fait quoi? En gros, il me fait, tu fais quoi là? J'ai dit, bah, c'est rien, c'est pour baisser le tarif. Et il m'a dit, je suis vraiment trop bête. Tu vas faire ta douche? Non. Tu vas faire ta petite douche, ma fille? Non. Allez, viens faire ta douche. Je la lave. T'as fait une belle douche, t'es propre là, tu te sens propre ma fille? Montre ta main de henné, montre. Ouais, mon amour, tu manges, ça y est, tu manges, t'as faim? Non. Oui, tu m'as dit t'as faim? Proché. Hein? Proché. J'ai pas compris. Proché. Brosser? Oui. Brosser quoi? Non. Il reste du riz aux courgettes hier, je vais faire ça avec, avec des omelettes. On va manger ça, c'est bon ça y est? Il reste du riz.
j'étais en train de vous snapper quand je l'ai retourné. Bon, là, c'est un peu trop cru. Mais laisser un tout petit peu de gluant, c'est carrément mieux que quand c'est tout seul. Je vais me régaler. J'achète le rehausseur, les filles. C'est Anna avec moi, là. Calice, il est en haut, il est en train de dormir avec papa, les filles. J'ai mon petit pyjama comme ça. Je suis en train de faire mon petit ménage, là. L'ostéopathe, elle va venir. J'ai hâte de voir. J'attends la réponse de la maman, on verra ce que ça dit. Dans tous les cas, les filles, j'en ai trouvé une autre. Donc on verra aussi. Si je suis refusée, j'irai à l'autre. Mon bébé sera inscrit cette année. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça. Apparemment, l'ostéopathe, elle m'a dit 2-3 séances maximum, c'est suffisant pour redresser une tête plate. Elle m'a dit avec ses patients, ses bébés patients, elle n'a jamais fait plus que 2-3 séances. Donc j'espère que ce sera pareil pour Calice. J'ai trop hâte de voir. Je vais me préparer un peu après. Mes cheveux sont bien gras, ça fait une semaine. Je vais bien les laisser graisser, les filles. Ça va leur faire du bien. Je ne vais pas aller jusqu'à la cure de sébum, mais presque, ça va leur faire du bien. Vous avez raison, par contre, mes chéris, avoir investi dans une cuisine et tout. C'est vrai que j'y pensais pas, mais maintenant que j'y pense, genre, j'apprécie mon chez-moi. Maintenant que je sais que je reste, en gros, je suis en train de penser à chaque détail pour améliorer. Vous voyez ce que je veux dire, mes chéris? Genre, j'en prends soin. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, mais bref, je suis en train de penser à chaque pièce, comment je vais la rendre, etc. Une fois que j'ai fini, une fois, Inch'Allah, mes chéris, que j'ai fini les inscriptions pour Céana, que ça roule pour elle, que moi, la salle de sport et tout, tout roule et tout, que tout est carré, là, je vais commencer à faire pièce par pièce. Parce que faut faire chaque chose en son temps, l'organisation et ensuite les travaux. Si je fais les travaux et en même temps, on est chacun éparpillé n'importe où et tout, ça va pas le faire. Pas trop sale. Alors, genre... Je vous disais que je vais vous filmer ce que l'ostéopathe fait sur Calice, pas à refaire chez soi, hein, c'est les ostéopathes qui peuvent faire ça ou quoi, mais juste pour vous montrer. Et je vous fais un avant après aussi parce que je pense que mon petit bébé il aura besoin de 2-3 séances pareil pour redresser sa tête. Et du coup je vous ferai un avant après pour vous montrer l'évolution. Il n'y a rien de grave, les filles, hein. Franchement il n'y a rien de grave, c'est juste je préfère lui faire pendant que son cerveau il est encore mou, que son crâne il est encore maniable, on va dire. Et voilà. Des trucs pour Céana. En fait, les filles, ce qui m'écœure, c'est que mes poupettes qui m'ont toujours connue comme avant, et j'ai toujours tout partagé, j'avais une vie tranquille en fait. J'avais une vie, je partageais tout, c'est moi, c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que je procède. J'aime bien être entière, j'aime bien être proche de vous, c'est comme ça que j'ai toujours été. Et là, on me met des bâtons dans les roues et on m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire en fait. Et ça, c'est un truc qui m'écœure en fait. Parce que moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été sans filtre. Avant j'avais pas de soucis, j'avais 30-40 000 poupettes, on faisait notre life, vous connaissiez encore plus que ce que vous connaissez aujourd'hui. Et puis bah là bah, je dois m'arrêter pour des gens comme ça. Et ça me... En fait qu'on guide ce que je dois faire, c'est un truc qui m'embête en fait. C'est un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on guide ce que je dois faire, ce que mon cœur me dit de faire. Je n'aime pas être contrôlée, je suis pas une fille dans le contrôle, je suis une fille spontanée, moi j'aime pas être là, réfléchir aux choses et tout. Et là devoir le faire pour ça, ça m'énerve. Voilà pourquoi ça me saoule. L'ostéopathe est arrivé pour mon bébé Calice. Pour la tête plate à Calice. Hein, c'est Anna. L'ostéopathe est arrivé pour mon bébé Calice. Alors, regarde-moi. Tu trouves que c'est très léger? Franchement, c'est léger. Coucou. Très léger. Alors, regarde-moi. C'est quoi, ma chérie, là, au niveau du diagnostic? Il a un méplat, mais très, 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 très léger au niveau du côté droit. Ouais. Et on ne peut pas parler de plagiocéphalie parce que au niveau du devant, il a pas la bosse. Tu sais, une plagiocéphalie, c'est un méplat à l'arrière. Et une bosse à l'avant. Ok. Et là, à l'avant, c'est uniforme. Puis il y a juste un petit bébé plat ici, mais normalement, ça va. Combien de séances, tu penses? Franchement, pour l'instant, on va faire aujourd'hui une. Ok. Et on regardera, on va faire des photos avant après. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, au maximum de séances, je pense que ça. Ah, trop bien, super. Calice, Fiaïa, un peu ou beaucoup? Là, t'es en train de lui faire quoi? Là, je regarde en fait, je regarde un petit peu tout, je regarde son bassin, s'il a pas des petites douleurs, des petites tensions. Au niveau des coliques, pareil, est-ce qu'il a des petites coliques ou pas? Et on verra ce qui peut potentiellement le gêner et qu'est-ce qui entraîne ses pleurs, surtout. Syndrome de Kisson, on enlève... On enlève ça. D'accord. On enlève ça tout de suite de nos têtes. Ok, ça marche. Hop. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Du coup, là, je vais travailler au niveau de la tête, au niveau des cervicales. Donc comme ça va lui permettre de gagner une bonne forme au niveau de la tête. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer?
Du coup, possible qu'il pleure. Je vais travailler au niveau de la tête, ok? Comme ça, toutes les tensions qu'il y a au niveau de la tête, ça, comme on va les résorber, la tête, elle va reprendre forme directement, normalement, naturellement. Ok. Après, on verra en fonction de l'évolution et s'il y a besoin d'une autre séance, on fera une autre séance. Mais du coup, c'est possible que ça réveille qu'il crie un petit peu parce qu'ils supportent pas trop les bébés quand on touche au niveau de la tête, ça leur fait rappeler l'accouchement, qui est le premier traumatisme quand même à la naissance. Ok. Laurie. Quand j'appuie ici, là, ouais, pleurer. Et là, il sent plus rien. Ça lui fait plus mal. Les filles, il est tout étendu. On a fait tête plate, on a fait la respiration, on a tout fait. On vous fait un verdict après. La séance de Calice, elle est finie. Regardez mes poupettes. Regardez. C'était 1000 fois plus plat que ça, les filles. Et là, pendant une semaine, je dois le mettre que de l'autre côté, le côté inverse, à dormir et tout. Et normalement, la semaine prochaine, il n'y a plus rien.